Thank you.
Monsieur Bourlouki. Dames en heren, Siamak Abdoulaye en Farouk Sultan. Welkom allemaal en hartelijk bedankt om met zoveel naar hier te komen. Jullie weten, dokter Amadre Dajalali heeft tijdens een werkbezoek opgepakt in Iran. Na 10 dagen was van zijn familie te weten waar hij bevond. Gedurende een week werd hij vastgehouden op een onbekende plaats. Nadien werd hij 7 maanden opgesloten in de teringgevangenis, waarvan 3 maanden in eenzame opsluiting. Amadre verklaarde dat hij in die periode onderworpen werd aan intense ondervragingen, waarbij eerst de psychologische en emotionele druk werd uitgevoerd. Pas na 7 maanden krijgt hij voor het eerst de kans om zijn advocaat te spreken. In december 2016, enkele maanden geleden, werd de druk nog wat verder opgevoerd. En wel omdat de Jalali een goed verplichte verklaring kon betekenen, waarin hij zou toegeven een spion te zijn voor de vijandige overheid. Door zijn weigering om dit te doen, werd hij beschuldigd van moharebe, vijandigheid tegenover God, een misdrijf waarop de doodstraf staat. Uit protest ging dokter Jalali op 26 december 2016 in de hongerstaking, waardoor zijn gezondheid natuurlijk in rode uitdaging. Een maand later, op 31 januari 2017, nog niet zo lang geleden dus, kreeg dokter Jalali van de rechter te horen dat hij beschuldigd is van spionage. Tijdens deze zitting was zijn advocaat opnieuw niet aanwezig. Volgens zijn advocaat is dokter Jalali nog steeds niet officieel de beschuldiging gesteld en zijn proces is evenmin ingepakt. Amnesty eist dat dokter Amadre Jalali wordt vrijgelaten tenzij hij betiecht wordt van een bank, een misdrijf en een eerlijk proces krijgt voor een herkenbaar misdrijf. We eisen dat hij de nodige medische verzorging krijgt en niet gestraft wordt voor zijn hongerstaking. We eisen ook dat hij geregeld contact mag hebben met zijn advocaat en met zijn familie. Ook moet hij consulaire bijstand krijgen. Een ondenkbaar en vooral een heel triestig verhaal. Helaas is dokter Jalali niet de enige. We zijn hier vandaag ook opnieuw samen voor de case van Hamid Babai. Hamid, een student die destijds studeerde in 2013 aan de Universiteit van Luik. Op vakantie ging met zijn vrouw naar de kant en daar opgepakt werd. Hamid had immers geweigerd om in opdracht van de Iraanse overheid andere studenten, Iraanse studenten hier in België, te bespioneren. De vragen zijn onmiddellijke vrijlating. En ik geef nu even het woord aan mijn collega Eleonore. Arrêté, sa famille est restée sans nouvelles pendant 10 jours et il a été enfermé à la prison des lits. Il a passé 7 mois dans un secteur très particulier, dont 3 en isolement. Pendant ces 7 mois, il n'a pas eu accès à un avocat et a été soumis à des interrogatoires avec de la pression et on lui a demandé de signer des déclarations. En décembre, on lui a demandé de signer une déclaration comme quoi il reconnaissait qu'il était un espion à la solde d'un État hostile. Il a refusé. Et on lui a dit qu'il serait condamné pour le moins aggravé, c'est-à-dire inimité à l'égard de Dieu, et c'est passible de la peine de mort. Il a refusé de signer ces aveux-là, et il a entamé une grève de la faim, le 26 décembre 2016. Sa santé s'est détériorée depuis. En janvier, il est passé devant le tribunal à Téhéran, et on l'a dit qu'on l'accuserait d'espionnage. Son avocat n'était pas présent. L'espionnage est passible de la peine de mort et son avocat n'a pas eu accès au dossier et on lui a dit qu'il ne pourrait pas défendre le cas d'un agresseur. C'est le moment de le soutenir et ce cas me rappelle celui de Hamid Babai, est également un doctorant à l'USG. Il est toujours en prison et nous avons eu des nouvelles de sa femme aujourd'hui.
qui a été le voir la semaine dernière, le rendre une visite en prison toutes les semaines. Et il s'avère que Hamid a été transféré dans la prison des lignes. On ne connaît pas la raison et il est en isolement. La situation des droits humains en Iran est particulièrement préoccupante. C'est pour ça que je vous remercie d'être venus si nombreux pour manifester votre soutien. Vous avez signé la pétition et il y a plus de 28 000 signatures. Merci beaucoup. Celle d'Amnesty regroupe plus de 28 000 signatures, celle propre à Amnesty. Amnesty demande pour Ahmad Reza qu'il soit libéré, à moins qu'il ne soit inculpé d'une infraction prévue par la loi, conformément au droit international relatif aux droits humains et aux normes en la matière, afin de garantir qu'il ne soit pas visé pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion. Nous demandons aux autorités iraniennes faire en sorte qu'il puisse consulter un professionnel de santé qualifié afin de bénéficier de soins conformes à l'éthique médicale et respectant notamment les principes de confidentialité, d'autonomie et de consentement éclairé. Nous leur demandons également de veiller, dans l'attente de sa libération, à ce qu'il soit protégé contre toute sanction en raison de sa grève de la faim, notamment l'isolement prolongé qui peut constituer un acte de torture. Nous les exhortons à veiller à ce qu'il ait régulièrement accès à l'avocat de son choix et à sa famille, ce qui comprend de lui accorder des moyens pour communiquer avec ses proches vivant à l'étranger, et nous leur demandons de lui permettre de contacter des représentants du consulat suédois. J'en profite pour vous dire que nous serons de retour auprès de l'ambassade iranienne jeudi, non pas pour une action, mais parce qu'un jeune iranien risque d'être exécuté samedi prochain. Nous leur enverrons donc une signature relative à Hamid Ahmadi, vous pouvez toujours aussi signer la pétition, et relayer l'action urgente pour Ahmad Reza, signer la pétition toujours en ligne pour Amine Fadeï. Merci, nous redonnons le temps aux musiciens. Thank you.
Hartelijk bedankt aan iedereen die bloemen heeft meegebracht op deze speciale Valentijnsdag. Voor Amadeus en voor Hamid gaan we vanavond een symbolisch bloementapijt leggen met een symbolische boodschap aan de Iraanse ambassade. Wij hopen dat onze boodschap toekomt. Intussen zijn ook onze meer dan 28.000 handtekeningen afgeleverd in de brievenbus aan de overkant. Wat ik jullie zeker nog wel vragen, is om hier niet te vertrekken, om met elkaar een gelukkige Valentijn te wensen. En elkaar het veel vast te pakken. Want wij kunnen het wel, dus waarom zou het niet doen? Bedankt voor het komen, allemaal. Hamid, Amadreza et tant d'autres ne peuvent pas fêter la Saint-Valentin ou tout du moins être avec ceux qu'ils aiment, amis, famille, femmes, enfants. Donc je vous propose d'aller déposer symboliquement des fleurs, celles que vous avez amenées ou celles que nous avons amenées, devant l'ambassade pour faire un grand tapis de fleurs, pour leur montrer que nous, on les soutient. Et je vous demande éventuellement, si vous en avez le courage, de vous souhaiter chacun une bonne Saint-Valentin, de faire la connaissance, de vous serrer la main, voilà, de fêter ça ensemble. Thank you.
Thank you.
Merci à vous d'être venus, je vous demande de les applaudir.